Hello tout le monde! Alors j'avais dit que pas trois vidéos sur la journée et je ne mens pas puisque nous sommes lundi 1h du matin. Donc voilà, je n'ai pas fait trois vidéos sur la journée. J'ai regardé la vidéo des petits bonheurs de Tadoun où elle nous propose de faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment une idée novatrice. Dans le scrap ou juste dans l'amitié ou hein, on va dire dans ce qu'on veut et ça s'appelle des caps. Donc nous avions les ATC, nous avions les Memory Decks, nous avions les stamps que je n'ai pas encore fait mais que je vais me mettre à faire et elle propose des caps. Alors des caps, allez voir sa vidéo où elle en parle et où elle propose de commencer ça, de les échanger entre nous, entre scrapeuses, copains, copinettes, et pourquoi pas des coloristes, où elle pourrait nous faire un petit tampon et colorier le tampon, et on s'envoie ça comme ça. Why not? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un caps? C'est un rond d'un diamètre de 4,2. Et ça doit quand même être assez épais. Donc, moi, j'ai découpé dans... mes trucs comme ça, où j'ai mes madeleines dans le fond. Vous pouvez découper dans ce que vous voulez. Et alors, je me suis dit, pour bon, moi, découper droit, vous oubliez, c'est impossible. Je ne sais pas faire. Donc, j'ai demandé à Pilou, est-ce que tu saurais éventuellement, parce que la perforatrice que j'ai, ronde, la plus grande, elle fait en diamètre 2,2, je crois, un truc dans le genre. Donc, ça n'allait pas. Et puis j'ai fouillé, 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 et je suis retombée sur cet outil qu'on avait acheté avec ma soeur. Ma soeur en a acheté un, moi un autre, chez Action. Et parce qu'au départ, je voulais le faire avec mon... Faire le trait au crayon, et puis découper. Mais enfin bon, je suis nulle. Et je me suis dit, mais tiens, au fond, c'est vrai, on avait acheté ça. On ne savait pas vraiment comment l'utiliser. Donc voilà. Donc, vous avez la petite pointe ici. Si vous voyez bien ce que je vous montre. Vous avez une petite pointe. Et vous avez comme un Stanley. Là. Donc, il suffit de le mettre sur le diamètre voulu. Donc, c'est 4,2. Bon, on n'a pas vraiment les 0,2, mais c'est plus ou moins là. Ici, avec la petite manette, clic. J'espère que je la casse pas. Et normalement, alors ça ne bouge plus. Voilà. On le plante. C'est une idée hein, pour ceux qui l'ont acheté, que vous avez fait comme moi, le mettre dans un coin et l'oublier. Heureusement que je ne jette pas mes affaires. Et alors, au lieu. Ah oui, ça marche moins bien avec celui-là. Voilà, il ne faut pas trop appuyer. Au lieu de faire tourner l'outil, je fais tourner ma feuille. Voilà. Et là, ça a foiré parce que je suis en vidéo, que du coup. Mais c'est ça qui a cassé, je pense. Il faut peut-être le clipser. Ah, voilà. Je ne l'avais pas clipsé comme il fallait. Ah, en plus, j'avais deux feuilles. Enfin, gardons nos deux feuilles. Puisqu'il faut quand même une épaisseur. Gardons nos deux feuilles. Je repique. Et je retourne. J'ai quand même mis une difficulté supplémentaire en prenant deux feuilles. Et voilà, nous avons nos deux ronds, juste celui-là. Donc dans la petite cartonnée, là, comme du cardstock, comme elle appelle ça, il faut quand même trois pour que ça ait une épaisseur et que ça gondole pas. Là-dedans, je ne sais pas combien il en faut. Donc pensez à prendre quelque chose de bien plus épais que ces petites feuilles dans les carnets de croquis. Moi, j'ai, pour vous montrer que ce ne soit pas trop grand, j'ai pris dans mes carnets de croquis. Mais c'est du 120 grammes. Hein, donc, fatalement, il en faudrait une série un peu exagérée. Donc, voilà. Donc, il suffit de relever ça. On remet à zéro. On met le petit
la petite protection pour ne pas se faire de mal. Et demain, je cours chez Action, voir s'ils en ont encore. Je vais m'en prendre un stock parce que, fatalement, au prix de chez Action, dans les 1 euro ou 2 euros, ça va pas durer 100 ans. Et c'est hyper pratique. Et en plus, vous les avez en centimètres et vous les avez en inch, je suppose. Tiens. Ça commencerait à 15. On pourrait faire des trucs de 30 hein, en l'ouvrant. Non, je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, j'ai bien fait mes 5 séries que je vais coller les unes aux autres en faisant gaffe à ne pas laisser le carton pour mettre bien blanc de chaque côté. Je vérifie ce, voilà, celui d'en dessous, c'est pour être sûr. Et je vous reprends après. Donc c'est celui du bas. Voilà, ça filme toujours, je ne vois pas combien de temps on a. Est-ce que ça filme encore? Oui, ça filme encore. Donc, je les ai collés. Donc, le but étant de faire des séries de 5. Et donc, d'envoyer aux copines la série de 5. Et pas une, je ne sais pas, envoyer la 3, un tel, la 2, un tel. C'est vraiment par série. J'avais, allez, donc il faut donner un thème, bien entendu, logique. Derrière, on met ben son nom, le nom de la série et le numéro. Voilà. Et j'avais, il y a un petit temps déjà, découpé, ben justement, avec ces petites perforatrices rondes, ben des petits ronds pour faire mes capsules altérées. Donc, j'ai par exemple des nœuds, j'ai des fleurs, j'ai des papillons. Et je me dis, pourquoi pas chercher là-dedans, si j'en ai 5 de style identique. Identique, mais pas les mêmes. 5 papillons. Alors, pour l'instant, non, pas de attends, papillons, j'en ai 2 là, mais j'en ai peut-être là-bas. On va voir après. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Si par exemple, on veut faire des chiffres, ben, pourquoi pas, hop, on retrouve des chiffres, on les découpe, on fait ce qu'on veut. Donc en papillon ici, non. Je vais aller voir dans l'eau. Donc je fais pause pour que ça ne dure pas 3 heures non plus. Je vais voir. Si j'ai des papillons dans l'autre paquet. Donc voilà, j'ai farfouillé, j'ai mes papillons. Donc ce sera la série papillons. Donc je vais pouvoir noter. Papillons. Le 1. Nani. L'atelier, il faut pas avoir une grande écriture. 2. Nani. Et pourquoi pas la date? On est le 25 janvier. Ça, elle n'a pas dit, mais enfin bon, pourquoi pas. Le 25 du 1 2021. 21. Je regarde. Je vais regarder le beau. Donc, papillon. Oui, je fais pause, je les écris. Ok, donc ça, c'est fait. Donc, j'ai envie d'utiliser les mousses nouveaux pour qu'ils aient chacun un fond un petit peu différent. J'espère juste qu'elles fassent sécher assez vite. Et je vais prendre mes lingettes. Ce sera plus facile. Au moins deux pour être sûr. Alors, on va le faire au doigt. C'est des petites surfaces. Et je vais faire hop le contour aussi, sinon ça est moche. Et je veux pas que ça est moche.
Alors, est-ce que vous êtes dans le champ? Absolument pas. Donc la verte. J'aime le bleu, on verra, il y aura trois sortes de bleu. Qui va avoir beaucoup de couleurs. Ah, celle-là, elle est trop belle. C'est corail, un truc dans le genre. Voilà, une corail. Et alors les trois sortes de bleu que j'ai. On va bien essuyer mes mains entre les deux. Ce serait pas plus mal. Oh, on va laisser ça tout près. Alors. C'est joli, couleur. Une sorte de bleu. D'abord la chiffonnette. Sinon, pour finir, les couvercles vont être tout cradopoulos. Parle pas trop fort parce qu'il y a 1 h 30 et que Pilou fait doudou. J'espère que vous m'entendrez quand même. Je frotte ici un petit peu, c'est quand même pour laver celle-là, donc je me demande si j'aurais pas plus facile. Quand même avec ça qu'avec mes doigts. Problème, c'est qu'à chaque fois, il faut aller les laver à la machine. C'est pour mettre 300 en route. Hein. Et le dernier, je vais utiliser le même puisque c'est dans le bleu. Tu vois, à ta place. Là, ici, ce ne sera pas un code couleur, ce sera papillon. Oh, celui-là, il donne pas. Il donne pas du tout sur la cartonnette, ça c'est triste. Il donne bien sur les bords et pas sur la cartonnette, ça c'est bizarre. Mais pourquoi tu me fais ça? C'est un qui va mieux sur du noir, à mon avis. Ah oui, il ne donne pas. Mais pas beau du tout. Nous allons réparer cela en prenant et en espérant qu'avec le doré je puisse réparer
Cette horreur. Tiens, c'est curieux. J'espère que je vais pouvoir réparer ça parce que ce n'est pas joli. Non, si en plus je le fais tomber. Il y en a comme ça qui sont super récalcitrants en première vue, hein, dans la série. Oui, ben voilà, on a plus ou moins rattrapé. Là, c'est les bords qui sont intéressants. Ça fait multicouleur, pourquoi pas. Ça pour la vie, hop, et ça pour la vie, hop. Alors, est-ce que ça a eu le temps de sécher? Oui, cela oui. J'avais préparé des petites perles. Au dire de mettre une petite perle, il faut pas non plus. Je sais pas si je peux. Si je peux, enfin, quand, si t'as Dune, quand tu passeras par là, tu me diras, je veux bien ta série ou je n'en veux pas parce que tu comprends bien qu'elle est moche. Hein. N'hésite pas. Ou alors, j'ai fait des bêtises ou. Tu me diras. Alors, j'ai. Voilà les perles. Hop. Tiens, elle est comme ça. Les bleus mauves, on trouvera bien. Donc je vais prendre un papillon. Il y a bien un papillon, on est d'accord. Hein. J'espère que cette vidéo va pas être en deux fois parce que malgré que j'ai un téléphone, il n'y a rien à faire au bout de 33 minutes. J'ai un téléphone de 128 gigas. Je devais être tranquille avec ça. Bon, je vais essayer de les. On va les laisser prendre. Voilà. Et je voulais mettre. Et je voulais mettre un deuxième papillon. Voilà. J'espère que ça va prendre. Normalement, oui. Donc, sur du bleu comme ça. Tiens, ça va bien donner. J'essaie d'être dans le champ. Hop. Et en petit, celui-là, il est beau. Et les petits, ils sont. J'avais plastifié la feuille et puis seulement j'avais fait avec la perforatrice. Un petit peu appuyé. Et toi, pourquoi? Sinon, je remets un point de colle. Hein. On va pas m'embêter. Celui-là, je le verrais bien en tranchée là. Ou le grand, ah. Celui-là ici et celui-là là pour trancher ou non, comme ça c'est bien. Et dans les petits, yop et yop et hop, ça ne colle pas bien. Ou alors, si ça ne veut pas coller, enfin, je vous montre comme ça. Comment je fais? Et si ça ne veut pas coller, j'irai prendre mon gel médium. Et là, plus de résistance possible.
pense que je vais pas manger le médium. En tout cas, ça t'arrivera bien à coller, ne t'inquiète pas. Voilà, ça c'est pour ça. Et ensuite, pour terminer la petite chose, je pense, mais je vais d'abord regarder le temps que j'ai. Oui, je vais mettre d'abord fermer ma colle. Il y en a qui ne veulent pas, il n'y a rien à faire. Celui-là, je mettrai un petit coup de gel médium en dessous. Et pour peaufiner le tout, je vais y mettre une petite perle. Et j'ai retrouvé ma petite pince. Donc, si on veut essayer de rester dans les tons, je vais prendre une comme ça. Et elle fait bien tenir, c'est bien avoir les pinces, mais il faut encore que je l'attrape. Voilà, ma belle. Quand tu es gentille. Yep, une toile droite comme ça. Donc une comme ça. Est-ce qu'il y a des espèces de bleu? Oui, un bleu plus foncé pour l'autre. Voilà. Ici, je vais prendre plus une comme ça. Voilà. Dans le corail, on va prendre une pustule corail. Et donc, du coup, il m'en manque une pour là. J'irai chercher. Voilà, donc là, je suis allée chercher une blanc crème. J'espère qu'il n'est pas rougé celui-là parce que c'est parfois puni. Allez, tu m'escagasses, moi je te le dis. C'est génial ce truc, mais je vous jure, quand ça se bouge, et ça se bouge tout le temps, regardez, il est neuf quand même. Allez. Ok. Ok. Rendez compte que je dois quand même y aller avec un poinçon pour le débloquer. Petite perle. Miss Betty, c'est parti. Ça, c'est du Glossy Accent. C'est un produit extraordinaire aussi, mais il m'escagasse parce qu'il se bouge tout le temps. Et voilà, c'est terminé. On remet le produit à sa place. Je suis désolée, mais j'ai un peu de manière quand même. Et vous avez une série de 5 qui est terminée. Donc, c'est pas. Allez, le plus long à faire, c'est à trouver pour faire le bon diamètre. Mais je vous dis, avec cet appareil-là, si vous l'avez et que vous n'avez jamais pensé à vous en servir, ou bien simplement, vous l'avez, vous en servez, etc. Par contre, je ne sais pas comment on fait. Je vois qu'ici, on a des petites lames de rechange. Mais après, je ne sais pas comment on fait. Donc, moi, je vais courir chez Action, voir s'ils en ont encore pour m'en mettre de côté et pour me faire des séries. Donc, mais celle-ci, elle sera pour Tadoune. Donc, je vais vite mettre une pointe de gel médium pour que tout colle correctement. Mais en gros, c'est ça. Donc, ça doit être
un ensemble et ça doit être par 5. Donc je ne sais pas si ça vous a plu, ça s'appelle échange de cap, de caps. J'espère que j'écrirai bien. Et moi, en tout cas, j'ai adhéré direct à l'idée de Tadoun. Et voilà, la première série, elle est pour elle. Je vais t'envoyer un email Tadoun pour te demander ton adresse. Et je t'envoie ça. En plus, c'est pas compliqué, hein. Honnêtement. Vous mettez ça dans une enveloppe, un timbre, et voilà, hein. Donc, ça ne fait pas non plus des gros colis. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle nuit avec de superbes beaux rêves. Et la zen attitude, gros bisous.